Dis à Dieu, say to God, aide-moi à me décider. Help me to decide. Dis à Dieu, say to God, je veux me décider. I want to decide. Mais j'ai telle faiblesse. Je veux me décider. Mais je ne tiens jamais à mes décisions. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être ferme. Être ferme dans ma décision. Je veux être ferme dans ma décision. Bien-aimé, commence à prier. Tu pries avec colère spirituelle. Tu ne veux plus vivre selon la chair. Tu veux vivre selon le Saint-Esprit. Tu veux vivre selon la parole de Dieu. Commence à prier maintenant. Prie avec colère spirituelle. Prie avec résolution. Que tu te décides maintenant. Tu prends la décision. Prends cette autorité. Tu as l'autorité de chasser dans ta vie, de chasser de ta vie toute puissance, toute autorité, même tout esprit qui t'attache encore dans les faiblesses de la chair. Tu as l'autorité de briser toute puissance spirituelle qui te lie encore dans l'esclavage de la chair. Tout ce qui est barrière devant toi, qui t'empêche de vivre ta consécration, Jésus te donne l'autorité de les renverser, de les piétiner, de les détruire. Alors maintenant, commence à ravager, commence à détruire, commence à renverser tous les obstacles dans ta vie, tous les obstacles dans ta vie, que ce soit de la chair, que ce soit spirituel, commence à briser, commence à renverser tous les obstacles que tu connais dans ta vie. Prends, saisis ce moment, commence à les briser, commence à les délier, commence à les ravager. Dis-lui à l'esprit qui te tient, dis à l'esprit qui te tient que tu es libre dans le nom de Jésus, que tu as été libéré dans le nom de Jésus, que tu n'es plus sous l'esclavage. Commence à le déclarer parce que tu as l'héritage de Dieu. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Commence à le déclarer. Déclare-le à ta chair. Parle à ta chair. Parle aux esprits. Parle aux autorités. Que Jésus t'a libéré. Que tu es libéré. Tu n'es plus tenu par le péché. La chair ne te tient plus en esclavage. Déclare-le de ta bouche. Parce que la parole nous recommande de le croire et de le déclarer par nos bouches. Commence à le déclarer. Et commence à le prier. Ne prie pas comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Prie comme quelqu'un qui est révolutionné. Quelqu'un qui est révolté. Quelqu'un qui prend conscience. Quelqu'un qui prend conscience. Et qui est. Prions au nom de Jésus. 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 Que quand les enfants vont commencer à chanter. Ils vont commencer à chanter. Mais nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Nous continuons à prier. Déclare que tu es libéré. Déclare que tu es libéré. Que la puissance de la chair ne peut pas te tenir. Déclare que tu es libéré. Piétine, renverse les barrières que tu peux voir dans ta vie. Alléluia. Les plaisirs de la chair, les plaisirs de ce siècle, les plaisirs de ton âge, les difficultés que tu peux rencontrer. Alléluia. Mais tu es libéré. Mais tu es libéré. Tu es libéré. Parce que tu l'as déclaré. Tu es libéré. Parce que Dieu l'a déclaré. Tu n'es plus sous l'autorité du péché. La chair ne peut plus te contrôler. Parce que ta chair a été crucifiée. Tu vis maintenant par l'esprit. Non pas par la chair. Tu vis non pas par la sagesse. Tu ne vis pas par l'intelligence. Mais tu vis et tu marches par l'esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Si tu parles en langue, commence à prier en langue. Si tu pries en langue, aide ta voix. Commence à prier en langue. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux.
mais consacre-toi à Dieu. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de parler à Dieu. Nous sommes en train de renverser les forteresses. Nous sommes en train de déclarer que nous sommes libres dans le nom de Jésus. Parce que Dieu, Christ est mort sur la croix. Il nous a pour toutes. Nous avons puissance. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier. 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 Dieu est en train de prier pour toi. Tu pries pour toi-même. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour ta maison. Alléluia. Alléluia. Oh la baba sénégue la baba. Kora baba la baba. Alléluia. Rende me kora baba. Alléluia. Rende me kora baba. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Maintenant, nous allons faire une chose. Mais tu vas prier. Tu ne vas pas demander à Dieu, mais tu vas commencer à déclarer que tu repères, tu reprends le contrôle de ta vie. Déclare que je reprends le contrôle de ma vie. Je prends le contrôle de mon existence. Je prends le contrôle de mes projets. Je prends le contrôle de ma maison. Je prends le contrôle de mes finances. Je prends le contrôle de l'éducation de mes enfants. Je reprends le contrôle de ma maison. Je reprends le contrôle de ma vie spirituelle. Je reprends le contrôle de mon âge. Je reprends le contrôle de ma vie. Commence à déclarer maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Récupère le contrôle. Récupère le contrôle. Récupère le contrôle. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Parce que nous étions errants, mais tu nous as récupérés. Tu nous as replacés, Seigneur, dans l'autorité. Tu nous as donné l'autorité et le pouvoir. Père, tu nous donnes l'autorité de déclarer, Seigneur Dieu de gloire, de prier par la déclaration. Et dans les déclarations, Seigneur Dieu de gloire, Père, ta puissance se manifeste. Éternel Dieu de gloire, je reprends dans le nom de Jésus l'autorité de ma vie spirituelle. Le diable ne peut pas me